Nous étions en confinement. C'est quoi le confinement? On devait rester à la maison. Et pour le centre? Notre école nous a organisé des cours à distance. Et pourquoi tout ça? C'est à cause du corona. C'est quoi ce corona encore? C'est un virus. C'est quoi un virus? Ah, tu ne sais pas. On va t'expliquer. Un virus est un organisme invisible à l'œil. Mais contrairement à une bactérie, un virus, un microbe, ne vit pas tout seul. Il doit s'installer dans le corps d'un être vivant. Une plante, un animal, un humain. Il pénètre à l'intérieur même des cellules. Et en se multipliant, le virus empêche le corps de bien fonctionner. Il cause une maladie. Comment appelle-t-on ce virus? C'est une grande famille de virus. Leur nom vient de leur forme que l'on peut voir quand on les observe au microscope. Ils sont entourés de petits piquants qui font penser à une couronne. En général, les coronavirus entraînent des maladies qui ne sont pas graves, comme le rhume. En décembre 2019, le coronavirus SARS-CoV-2 est apparu, provoquant la maladie COVID-19. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle COVID-19? Le nouveau coronavirus déclenche une maladie appelée COVID-19. CO veut dire corona. VI, virus. D, disease, qui signifie maladie en anglais. Et 19 correspond à 2019, l'année où est apparue la maladie. Quels sont les symptômes de cette maladie? Ce sont les signes qui permettent de reconnaître une maladie. Les personnes atteintes du COVID-19 ne présentent pas toutes les mêmes symptômes. En général, ces symptômes sont la toux, des douleurs à la poitrine, une grosse fatigue et de la fièvre. Est-ce qu'il y a des porteurs de virus qui ne présentent pas de signes? Il existe des gens infectés par le virus qui ne présentent aucun symptôme, mais qui peuvent quand même transmettre la maladie. On les appelle des porteurs sains. Quelles sont les personnes les plus sensibles à cette maladie? Certaines personnes peuvent tomber gravement malades ou même mourir à cause du virus responsable du COVID-19. Les plus sensibles sont les personnes les plus âgées et celles déjà atteintes par des maladies respiratoires ou qui affaiblissent leur corps, comme l'asthme, le diabète ou des maladies du cœur. Est-ce que c'est une maladie contagieuse? Eh oui, une maladie contagieuse se transmet de personne en une autre. Le COVID-19 se propage par des gouttelettes expulsées par le nez ou par la bouche quand une personne tousse ou éternue. Des objets peuvent être contaminés par des personnes malades. Et si une personne saine les touche, elle peut contracter la maladie, car le virus survit plusieurs heures à l'air libre sur une surface sèche. Quelle différence y a-t-il entre une épidémie et une pandémie? Le mot épidémie désigne une maladie qui contamine beaucoup de personnes dans une région. Ce mot vient du grec épos, qui veut dire sur, et démos, qui veut dire peuple. Quand l'épidémie s'étend à un continent, voire au monde entier, on parle de pandémie. Le mot grec pan veut dire tout. Il y a une pandémie de COVID-19, car cette maladie est présente dans plus de 90 pays. Ce que je n'ai pas bien compris, c'est le confinement. C'est quoi exactement? Quand le COVID-19 s'est répandu, plusieurs pays ont demandé à leurs habitants de rester chez eux et de sortir le moins possible. C'est ce qu'on appelle le confinement. Confiner les populations permet de réduire les contacts entre les personnes et de limiter la propagation du virus. Ainsi, le confinement permet de ralentir l'épidémie et d'éviter qu'il y ait trop de malades en même temps. On parle aussi de quarantaine. C'est quoi? Dans le mot quarantaine, il y a 40. Car à l'origine, cela correspondait au nombre de jours pendant lesquels l'équipage d'un navire revenant de l'étranger était isolé. Cet isolement
éviter de propager les maladies attrapées par les marins. Aujourd'hui, le mot quarantaine est utilisé pour désigner l'isolement d'une personne que l'on craint être porteuse d'un virus. Et la quatorzaine, c'est quoi? Dans le cas du Covid-19, la quarantaine est de 14 jours, d'où l'expression en quatorzaine. Cette durée a été choisie car elle correspond à la durée entre le moment où une personne est contaminée par le virus et l'apparition des premiers symptômes jusqu'à 12 jours. On parle de beaucoup de gestes barrières. C'est quoi exactement? Ce sont des gestes simples qui permettent de se protéger et de protéger les autres contre la propagation du virus. Ils permettent aussi de se protéger des autres maladies contagieuses. Se laver les mains, éviter de se toucher le visage, tousser et éternuer en se couvrant la bouche avec le coude, utiliser des mouchoirs jetables, éviter les contacts avec les autres, et ne pas échanger d'objets. Pourquoi faut-il respecter la distanciation physique? Pour éviter la propagation du virus, il est nécessaire de respecter, en plus des autres gestes barrières, la distanciation physique, appelée aussi distanciation sociale. Chacun devra rester au moins à 1 mètre de distance des autres personnes. Cette distanciation physique doit être respectée dès qu'on sort de chez soi. À l'école, dans la rue, dans les transports scolaires, dans les magasins. Et le masque, pourquoi faire? Le port du masque est obligatoire pour les soignants, les enseignants, les conducteurs de transport, les accompagnatrices, tout le personnel de l'école. Pour tous les élèves lors du transport et pour les CE5 et les CE6, même en classe. Mais il est recommandé que chacun porte un masque pour toute sortie, pour se protéger et surtout pour éviter de contaminer les autres si on est porteur du virus. Le gel hydroalcoolique peut-il remplacer l'eau et le savon? Lorsqu'on ne peut pas se laver les mains, on peut utiliser du gel hydroalcoolique. Il permet de tuer les microbes présents sur la peau. Il porte ce nom car il est constitué d'eau, hydro et d'alcool, alcoolique. On en verse un peu sur ses mains sèches et on les frotte en effectuant le même lavage qu'avec du savon. Bien laver les paumes, dos des mains, doigts, entre les doigts, poignets, ongles. Est-ce qu'il y a des médicaments pour soigner cette maladie? Aujourd'hui, il n'existe pas encore de traitement spécial pour le Covid-19. Mais on peut aider les personnes malades en soignant leurs symptômes. La fièvre et la toux sont traités avec des médicaments classiques, comme lorsque l'on a une grippe ou un rhume. On aide le corps des malades à se défendre, mais c'est lui tout seul qui tue le virus. Gravement malades. Les personnes gravement malades du Covid-19 sont hospitalisées. Les cas les plus graves sont accueillis dans le service de réanimation. Ce sont des endroits où l'on aide les malades à respirer grâce à des machines. Est-ce qu'on peut guérir de cette maladie? Heureusement, la plupart des personnes contaminées par le Covid-19 guérissent. Mais 2% des gens malades en meurent. Tant qu'on ne possède pas de médicaments ni de vaccins contre ce virus, cette maladie reste donc très dangereuse. A-t-on trouvé un médicament à cette maladie? Des chercheurs du monde entier travaillent pour trouver un médicament qui pourrait tuer ce virus. Pour le moment, des produits sont en test, mais on ne sait pas encore s'ils fonctionnent. Il faut aussi s'assurer qu'ils ne sont pas dangereux pour les humains. Ces tests vont durer plusieurs mois. Que faut-il faire pour empêcher une autre épidémie? Pour empêcher qu'une autre épidémie de Covid-19 recommence, il faut protéger les gens avant qu'ils soient infectés par le virus. C'est le rôle du vaccin. Mais ce virus est nouveau. Alors, dans beaucoup de pays, des scientifiques l'étudient pour mettre au point un vaccin. Cela prend du temps. Et il ne sera sûrement pas prêt avant l'année prochaine.
On dit que ce virus mute. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'un virus se multiplie, il copie un code qui lui sert à fonctionner. Mais ce code change légèrement au fil de ses milliers de multiplications. Ainsi, d'un pays à l'autre, d'une personne contaminée à une autre, le virus peut être légèrement différent. Plus il se propage, plus il y a de mutations. Et il est plus difficile d'avoir un médicament qui fonctionne à coup sûr.